Ακόμα αυτό που κάνουμε, πέφτουμε. Ακράτω ηχού, εξελάνες, δεν σε κάνει εμείς. Μας φτιάξει κλειτή τρόφα. Ένα πράγμα που τρώτη του είναι και δυνατόν να φτάνει λόγω. Η πρώτη πάνω τρόφα. Γιατί τότε τα τρόφα, γιατί τα δυνατόν να δυνούν. Πάνω όλα τα αυτά, απάστο. Δεν πήγαν το αργυλί του. Δεν πήγαν μόνο την κοινό πέρα.
Thank you.
certain personnel qui ne pouvait pas arriver à la République parce que c'est un truc officiel. Le siège du gouvernement, il a déjà du poste. Le siège du vice-premier ministre, secrétaire de l'Ukraine, qui est de 5 ans, du parti de ce. Le parti de ce siège, le parti du gouvernement, il a s'occupé. Le parti de ce siège, le chef du siège du parti, il a s'occupé. Voilà ce que je veux dire, c'est un peu plus de l'air. Mais quand on se dit que le plus comparable de l'assistance, un peu moins, le président de le ministre, le vice-premier ministre, le secrétaire général du comité central, Jean Coutu, qui comprend peut-être plus un homme du gouvernement comme ministre, comme Jésus, le ministre des Travaux publics, il constate effectivement également ici la présence de plusieurs directeurs, députés à l'Assemblée nationale. Il y a le maire de David, il y a le maire de Paul de Fétou, il y a aussi ici le maire de Cabral et Lebu, qui présent sur le site du village du Monde à l'occasion de ses absents. Le monde, Fatou, le maire de Partout, un peu aussi, jusqu'à présent, plus de 2 à 3 000 personnes présentes ici, 900 000 présentes ici sur ce site. Et du village en grand, c'est le 9 octobre 2021, c'est un moment historique. Et même là, pour le peuple d'Amour et les Camerounais, dans leur ensemble, même ici. Le livre « Rien n'est qu'une bonheur » et je cite « Lui, le monde est hospitalier, mais ta hâte, la vie est impitoyable. Tu l'aimes et ta femme nous chante. » Fin de citation. Malgré tous tes conseils et tes recommandations, restera un chemin gravé dans nos mémoires. Ainsi, tu nous avais toujours dit, entre autres, et je cite encore, mes enfants, restez fermes dans la croyance en Dieu, restez unis en tout temps et en tout lieu, de même que le feu de la vie ne vienne perturber notre sérénité. Qu'aucune méchanceté humaine ne vienne sécréter en vous le venin de la haine et de la distance. Notre cher Père, nous avons dit ainsi le plus grand des héritages, à savoir la patience, ton humilité, ta disponibilité
vous le faire comme vous le faites. Bref, comme l'humanisme s'en va. Oui, papa. Je suis mort, je suis honnête. Je conseille. Lequel construira désormais pour nous la boussole de notre vie. Puisse Dieu Tout-Puissant que tu as servi durant ta vie avec tant de ferveur t'accueillir auprès de lui. Va, je me présente, papa, et si vous, votre Dieu ne m'a pas passé. Thank you.
en Égypte, puis le Cameroun, puis l'Afrique, autour des frontières, et montrer les impératifs culturels de la culture africaine en Afrique. C'est ce qui va être si essentiel. Je vous invite à vous dire que je dis à vous, on a un certain compte de lui, dans les risques. Et si vous êtes textile, dans les mondes, dans les nations, dans les organisations de manière ancestrale, d'humanisme, de chance, de tolérance mutuelle, de notre communauté, de chambres, qui participent de la sieste et du ciel, de notre pays, le Cameroun, et qui, avec d'autres cultures indigènes, constituent la graine de notre chère république, riche de cette diversité culturelle qui forme son identité remarquable. Le roi Mouchoumoli, le jeune tournoi, distingue extraordinaire qui, comme ça, il est notre but. C'est une histoire de deux soirs à l'Ivoscade et presque sous son chemin par la gratitude et l'entrée de son époque. Il a été la première séquence de l'indépendance et de la réunification de notre pays au Cameroun. Il peut parler avec brio de sa personne, pas nous, qui avait la dimension d'une grande nation, mais nous, qui depuis le temps de l'Union, nous souffrions avec la réponse dans la capitale, de Kinshasa. Nous connaissons les merveilleux qui participent de la naissance du grand bonbon joyeux. Il recommande comme le fossé de son ancêtre, le grand bonbon, fils de Mali. Et nous suivons depuis deux années. Depuis son nom, depuis le prénom de son grand-père, lorsque s'appelle le roi qui mourut le franciscain comme son successeur, il fit ses élections par ce petit ancêtre devant le Sénat. Le recteur Jean-Hubert, le professeur en le prince appelé à prendre le temps, selon les fils de coutume par nous, doit être prince de par son père, de prince de par son mère, nécessairement de coutume par son passion, ainsi chez le bonheur, en passion de la troisième génération, c'est-à-dire que le roi prend parmi ses épouses, il a comme père qui dit souvent à l'autre. Il explique que la raison consiste à adopter l'héritage du trône dès ce temps dans sa famille matérielle qui sert de seigneur, qui serait de seigneur notable dans les lieux servant de protection et de conseil pour le monde. Il ajoute en maintenant que le royaume commun c'est désormais parti de l'entrée ensemble avec le Cameroun. Le président de l'entrée devrait se servir de son entrée dans les chaînes de relation qui possède à travers le Cameroun et hors du Cameroun. C'est mieux que ce qui pourra désormais le soutien et la protection pour lui et le royaume. Nous serions le seul d'un homme qui fut le choix de son père pour le trône de Charles III. Le roi de Mondeau, son ancêtre, donc l'homonyme de tout le monde des frontières actuelles. Lui, Mondeau Joya, a réagi aux frontières de la guerre et à l'expression du monde. Et en effet, on parle de tout le tourisme africain et mondial. Comme son grand-père, le roi de Joya, l'a adopté son nom dans le fonctionnement architectural. C'est glorifier les armoiries du royaume même. Le mieux serait que ce royaume est avec deviendra le musée de valeurs symboliques d'Afrique plusieurs fois centenaire. Comme son père le roi Chinoï, le roi de Joshua Ibrahim a fait de l'ethnisme le fer de marche de l'intégration de la société au monde. Il a poussé jusqu'au rationnement. La tolérance religieuse dans le monde, le roi de Mouchoumoli a bâti de l'ordre, de ses émotions de tolérance, une riche extraordinaire carrière politique et administrative. Il a marqué ainsi la présence du monde dans les méandres du processus de construction du Cameroun moderne. Cela a fait de lui la ressource sollicitée par nombre de personnes d'origine et d'origine culturelle. Il a fait de la science
de la vie. Avec le respect politique de l'armée catholique et la multiplication des partis politiques, la diversification d'opinions et de choix politiques, le monde a réussi un parti politique comme le droit de l'homme au niveau de la situation. Le roi est plein de communes sur les tables avec la liste du groupe traditionnel de cette fonte d'un parrain proche, vivant de la nouvelle nouvelle à la destinée de la société. Le chef de l'hostilité pouvait provoquer une guerre civile dans le monde. Le roi qui pouvait utiliser des marges et des manœuvres à sa portée pour gagner refusait de se donner ce moyen pour éviter un point de fin. Il déclara à volonté pour pouvoir amoniter ses enfants, ses sympathies, ses sympathisants comme ses adversaires politiques de l'air. Peut-être aussi ses enfants. Il avait un grand amour pour son peuple. Il s'en voulait le père de toutes et de tous. Foreur, prisonnière, débrouillard, enfant de mes filles. C'est là que cet homme est servi d'abri, de protection et de rempart pour la jeunesse de l'homme. Son monstre ouvrait les portes et la destinée de plusieurs enfants du monde. Le roi de Montjoie se souvenait toujours de ses amis avec respect et considération. Il me paraît souvent d'un des plus justes, le plus adopté, avec passion et sincérité. Il me disait que la vertu principale d'un homme, c'est d'être fidèle à l'amitié, et que cette fidélité n'a pas de phare, précise. Et si on a le courage de dire la vérité à l'ami comme un seul, il pense avoir tant de choses à dire et à partager avec son ami, tant sa passion pour le Cameroun sans rien de tout. Il revient d'un grand monde. Nous restons à la hauteur des filmations géographiques, démographiques, linguistiques et historiques. Une majorité de personnes pour la fin de la presse, de vivre ensemble, amenés au sein de la République. Roi sénateur, tu étais la continuité excellente. Tu étais la continuité excellente. Et la planification de nos valeurs personnelles. Et un moyen pour les autorités républicaines. Le roi sanitaire de la paix, le sauveur des citadins, passera demain le destin des enfants au sein du monde. Le roi de mort, nous laisse en héritage son caractère personnel, son appel permanent de la fin de la schizophrénie avec son enfant du monde. Je nous crois tous de vous, que nous sommes tous unis par une même force et propre d'attachement à nos valeurs traditionnelles. Ô mon roi, tu laisses derrière toi des enfants majeurs et des enfants épouses, tu laisses des hommes et des enfants, tu laisses le monde en fin. Ô mon roi, ton peuple est rassemblé. Honorable sénateur de la République, et collègue de Philippe, en terre de pauvreté, ô militant engagé, et honorable assemblée autour de tes conseils, de tes sages conseils, ô grand défenseur, de partout mes amis, tes enfants de licence et d'opinion politique qui viennent, sont venus pour prendre part à la célébration. Puisse le ciel dans le plan de mon humanité, et on me répondit ce beau monde qui fut en pleurs pour le former pour une place dans le sang de mon paradis. À Dieu nous appartient, à Dieu nous répond. Merci. Thank you.
Oui, merci, Joy. Il se dit que nous avons suivi là quelques témoignages de l'ambassadeur du Cameroun dans la République d'Algérie qui est ici, Commodore Chimonu, qui est l'un des parents de disparu. Il est tout prince. Il est tout prince de Paris, l'un des parents. Et maintenant, nous allons écouter, nous allons suivre avec attention le mot de M. Zakarian Joyan, qui est ministre de l'État auprès du ministre des Transports de la République Cameroun. Là, il parle en tant que ministre. Monsieur le Président du Conseil régional de l'Ouest, Monsieur le Président du Conseil général, directeur général, respectable ministre des Cultes, Sa Majesté le chef traditionnel, distingués invités, chers vives humaines, population du département du ministère assemblé, Mesdames et Messieurs. C'est avec une forte charge émotionnelle, une affliction indicible et un cœur serré que j'ai l'honneur, le privilège de la responsabilité, au nom de tous ces filles du département du Maine, de prendre la parole en cette circonstance, particulièrement triste et douloureuse, en cette minute du village du Maine, en notation des personnages officiels, comme le frère de l'Église de l'État, le sultan de la dernière sénateur, décidé par le président de la République, son expérience combinant, suite à son retour en Suisse. Avant toute chose, il me soit permis de porter au chef de l'État, son expérience combinant, la gratitude et la reconnaissance des filles et fils du département du monde pour sa très haute décision d'organiser des obsèques officielles à la mémoire de notre roi. Permettez-moi ainsi de souhaiter une chaleureuse bienvenue à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, Son Excellence Paul Biya, en fait honneur officiel dédié à notre père, Bora. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ici, dans ce jour mémorable, témoigne de la très haute marque d'attention et de compassion du président de la République et son solennel mandat exprimé dans son message de condoléances en date du 9 septembre 2021 à l'endroit du peuple béninois, si durement déploré, et qui a poussé au plus profond de nous-mêmes nos sensibilités. Aussi, je voudrais exprimer une fois de plus ma très sincère et profonde gratitude aux fils et filles du département du Maine, au président de la République pour la constante sollicitude dont il a fait preuve depuis la maladie, l'évacuation sanitaire en urgence
de notre monarque jusqu'à son retour dans ce monde. Permettez-moi également d'exprimer votre profonde gratitude à M. le ministre d'État, chargé de l'intégration régionale de la République de la République équatoriale, pour sa présence personnelle. Il me semble d'aller la peine de souhaiter la bienvenue à toutes les personnalités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles, diplomatiques, de la représentation internationale, des milieux d'affaires, des milieux sportifs, ainsi qu'aux autres, s'inviter à leur base du droit respectif, venus de partout pour rendre les hommages dignes à notre roi, notre puissance de mort le plus banal. Je vous passe témoigner notre gratitude à toutes les personnalités suscitées lors par l'engagement, leur accompagnement dans l'organisation des obstacles, sans manquer de renouveler la grande implication de M. le Président du département du Monde et de son état-major. Nos remerciements en particulier vont également à l'endroit de M. le Président de la région de l'Ouest, pour sa veille permanente pendant la période des temps. Excellence, mesdames et messieurs, le 27 septembre soir, comme l'a solennellement annoncé en vertu de notre secrétaire, le dimanche Charles Martin, le premier de l'état d'improvisateur, le soir cet été, et les mains se retrouvent dans le monde. Dès lors, les fils et fils du monde sont dans une détresse de la future. Ils sont vêtus et consolants. Ils proposent le retournement du monarque. Le père des enfants, le père de tous les enfants, sans exclusif, sans méthode, vos guides, protecteurs, facilitateurs, hommes de patience et de tolérance extérieure, rassemblés dans l'âme, comme des paix et d'action, notre roi au père a incarné toutes ses valeurs de vie. Il savait être à l'affût pour le rayonnement non seulement de l'histoire, mais également pour le développement harmonieux et paisible de notre pays au travers de la pratique de la démocratie apaisée, remettant le chef de l'État, son excellence Paul-Biya, dans tout le respect fidèle et loyal, jusqu'au dernier souffle de vie. Véritable patrimoine national, le futur roi de Banane, a fait don de sa personne et de sa personnalité à son pays et à son pays. Notre roi serait gardé la posture de démocrate, nous allons débattre en toute majesté. Pour alors qu'il nous recommandait, de cultiver et de toujours pratiquer en toutes circonstances. C'est par de toutes ces qualités dans le film que son règne nous pouvait être une immense fierté et que son début en repère pour nous tous. Sa proximité avec son peuple était telle que chaque fille ou fils du monde avait sa relation particulière avec lui, son histoire avec lui. Il chérissait tous ses enfants sans discrimination aucune. En toute circonstance, son soutien était acquis pour toute initiative de progrès. Excellence, mesdames et messieurs, à l'aide du dialogue interreligieux et de l'écuministe, partisan du vivre ensemble, il a su entretenir la ferme de la cohésion et de la cohésion et de la coexistence entre les composantes religieuses. Ses politiques dans le département du monde. Notre roi aura marqué le royaume d'Amin et restera une source d'inspiration pour la jeunesse angolaise, voire de l'essentiel mondial. Visionnaire, il nous laisse un héritage de nombreux dieux, dont le plus jusqu'à tout ça, au plan économique et culturel, la restauration du monde. Il a valu sa soumission à l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO, la construction du musée des rois pour la préservation du patrimoine culturel, la mise en place de nombreux cadres de consultation et d'action pour le développement du monde. Au plan social, il fut un véritable sénateur de la paix.
qui promet sans cesse la culture et la pratique de la patience et de la tolérance. Pendant 29 ans de règne, notre roi a préservé avec leur jalousie l'identité d'un monde qui repose, comme nous le savons tous, sur l'unité de son peuple et de sa culture. Il a cultivé l'attachement de son peuple et de la science républicaine, lié à la défense de la nation camerounaise, pour laquelle la sphérique humaine a joué un rôle historique de plus en plus. Il nous l'a, comme nous l'étonnons culturellement, le prix de la loi de solidarité de peuple. Un grand paysage, et en même temps, un défi lancé aux nouvelles générations, seulement de notre vie, mais aussi de la vertu et de l'éternité. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, mesdames et messieurs, le parti de l'État, de l'Office du département du monde, devienne aujourd'hui à cela de ce grand honneur à la prestance singulière. Bâtisseur et vertueux, le Rosier Stanovski donne nos émettants les vues à temps que traverse notre temps. Notre souverain est une figure emblématique de l'histoire des institutions du Cameroun moderne et du pays d'Amour. Une image du bibliothèque auprès de laquelle chacun pouvait savourer à l'heure. Malgré sa grosse tête, ce grand cuite, nous gardons foi, car il nous a laissé les grandes valeurs dans la croyance en Dieu tout-puissant, la fidélité, le loyalisme vis-à-vis des institutions de la République, ainsi qu'aux personnes qui le regardent. Dans ce temps d'idée, le message fort est dans son véritable respect à la famille royale, ainsi qu'au plus grand nombre, nous reconnaissons, nous rassurons. Qui nous permet de garder espoir à l'avenir. Tout en remerciant une fois de plus tous les fils et filles du département du monde qui tiendront comme de la diaspora de leur mobilisation et éducation multiple dans la réussite de cette cérémonie de mars. Je voudrais vous engager à rester davantage mobilisés autour du nouveau souverain qui sera désigné dans les jours à venir. Afin de maintenir toujours plus haut la foi de la tradition et de la culture de l'homme dans le respect des institutions de la République. Je ne serai pas mon propos sans renouveler les remerciements du peuple de l'homme. À monsieur le Premier ministre du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, ainsi qu'à toutes les personnalités qui ont sacrifié de notre résultat et graver les contraintes et vos pères tempérés pour assister aux hommages de notre roi et vénérable mort. Le moment de peur pour inutilement ce côté, nous ne saurons faire l'économie de notre attitude ou de la reconnaissance des places vives du département du Lyon à l'endroit du chef de l'État, son excellence, M. Kombia, président de la République du Cameroun, pour sa sollicitude constante. De son bel pénamant sur les filles et filles du département de l'Union. La conjoncture crée le rêveux de l'histoire de chacun. Et puis, Joseph Boué, dans la tradition, le grand temps, notre ministre de roi, célèbre et célèbre, attiré, honoré, élevé et immortalisé, soit retourné définitivement. Le peuple d'amour, dans toute sa dimension, liste lesquels au mémorable historique, le dernier gigantesque et exceptionnel du monde, que tu auras organisé, majesté, sur terre, en ton absence. Hélas, presque pathétique, douloureux et sensible, mais très nombreux, qui conçoivent et célèbrent le tremblement des mêmes que tu étais. Une figure de coup, un président, un homme de communisme, un homme de paix, un parapluie, une école, une référence. Puis, le tout-puissant et le plein miséricordieux par excellence, accorder une place mutuelle à notre père dans son paradis. Excellent et si voyage, très simple. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
Et effectivement, il faut aussi dire que ce qui est peut-être regardé à ce moment, la média par la télévision, qu'en direct ici du village de Lyon, vous pouvez venir écouter dans un instant le message du porte-parole de ce traditionnel, et qui sont fortement, fortement représentés ici dans le cadre de ces images.
il avait un fort caractère, autorisait de temps en temps sa femme à parler. D'ailleurs, celui-ci, le conseil national du secteur de sommeil du Cameroun, perd une de ses droits de porter très haut la cause de la société traditionnelle au Cameroun. Dans cette circonstance particulièrement éprouvante et douloureuse, pour la famille de Sa Majesté Ibrahim Bongoya, sultan roi de Bamoun, convise l'expression de sincères condoléances du conseil national du chef traditionnel du Cameroun. Je vous remercie. Qui porte en lui la semence de la pensée olympique
contemporaine, à la fois plurielle et interculturelle. Un diplomate a dit, Sa Majesté a mené des négociations auprès des autorités camerounaises et celle de l'Association des Académies Nationales Olympiques d'Afrique, aboutissant à la désignation de Yaoundé pour habiter le siège du Centre africain d'études olympiques. Cette structure à vocation académique s'adresse majestueusement dans la capitale du Cameroun depuis le 15 mars 2018, date de son inauguration. Le prolongement de cet engagement en faveur du mouvement olympique sportif a connu son apogée lorsque le 16 novembre 2019, Sa Majesté Ibrahim Bombo-Géa y a accueilli le docteur Thomas Bach, président du Comité international olympique, en visite de travail au Cameroun. Toujours disponible et enthousiaste, quand sonnait l'appel pour servir la cause olympique, c'est en héros plombé que le lundi 27 septembre 2021 à Paris, Sa Majesté n'a pas résisté aux sirènes fatales de la destinée humaine. Cela ainsi son départ pour rejoindre ses ancêtres. Il laisse à jamais un grand vide au sein de la famille olympique du Cameroun et un héritage immense pour le mouvement olympique et sportif en Afrique. Votre Majesté Ibrahim Bombo-Géa, en reconnaissance de votre immense œuvre pour la promotion et le développement du mouvement olympique et sportif au Cameroun et en Afrique, votre famille olympique ne vous oubliera jamais. Un espace commémoratif vous est désormais dédié au Centre africain d'études olympiques. Il est dénommé Espace Sultan El-Hadj Ibrahim Bombo-Géa, roi du Cameroun. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Oui, très en plus d'être président de l'Afrique, la Fédération Cameroun de football, et il faut se dire que le disparu a été ministre de la Fédération de sport. Et vous savez également qu'il a été un très bon de sport, parce que Baxter, pendant ses jours en tant qu'élève ou étudiant, dans la partie de la Baxter, c'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on retrouve certains de ses enfants dans le milieu sportif, comme Sidi Mbongoya, qui est l'actuel président par intérim de la Fédération Cameroun de football, ou bien encore Ahmed Njoya, qui est entraîneur national. De l'équipe nationale de basketball féminin. La vie de Sa Majesté, le sultan Ibrahim Bombo-Géa, a été marquée par son engagement en faveur du dialogue social, de l'art, de la promotion de la jeunesse ainsi que de la communication étendue. Il a été une grande figure culturelle qui a entrepris la construction du musée du roi d'Amour et aidé à la reconnaissance internationale d'une ville festival culturel du peuple ghanéen.
vous savez, l'Esprit va accompagner le camion. Pour la communauté du Sultan, dans la préparation du dossier de candidature des hommes, l'écriture du pouvoir sacré des hommes, ajoute une inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Je me permets à titre personnel, en tant que conseiller régional pour la communication et l'information, au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, de rappeler le rôle de sa majesté dans le cadre du programme Radio Communautaire au Cameroun et le télépromoteur à l'origine de la création de la radio communautaire du monde et là pour vous veiller spécifiquement à ce que cette radio fonctionne sans interruption depuis une vingtaine d'années et diffuse régulièrement des programmes en langue et en temps. Un grand homme de culture de paix nous quitte, nous nous laisse un héritage de valeur fondamentale pour notre société. Que Dieu paie son âme dans la paix. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur, à prendre le mot de l'UNESCO. Je voudrais en plus inviter très respectueusement monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, pour son intervention ici, pour ce sens. Il faudra plutôt à la tête d'une importante organisation de l'Union en hommage à que nous avons suivi là, le mot du représentant du corps diplomatique assigné sur le Cameroun, mais maintenant nous allons devoir suivre le mot du comité central du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le fait partie, donc le départ était membre, très évident d'ailleurs, membre du comité central. Il se pourrait un petit peu membre du bureau politique et puis maintenant personne d'autre que le secrétaire général du comité central du rassemblement démocratique du peuple camerounais, à savoir, son excellence Jean Poté, qui va devoir prendre la parole au nom de ce parti, au nom du parti au pouvoir. Oui, effectivement, le secteur a des ballons sur le plan politique. On est ici avec le ministre Barnier. Après l'UNC, jusqu'à l'avènement du RDPC en 1995, toutes les deux ans, depuis 1965, c'est une grande façon à l'intérieur du pays. Il est parti comme membre du bureau politique du RDPC, il faut rappeler que c'est la dernière, la plus grande instance de décision au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le vice-premier ministre, son excellence Jean Pété, qui porte la délégation du comité central à l'occasion de cette action. On peut écouter. Monsieur le président du conseil des gouvernements, mesdames et messieurs les membres du Parlement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, distingués délégations de l'Union de l'État, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, qui est le président de la République.
Thank you.
si gouvernement, si gouvernement, et pour eux, et de la pauvreté, et pour soi le progrès, et la compassion est née, de deux hommes pour la vie, et c'est vraiment que nous faisons du peuple pardonné, ça ne sera pas bien. Et si on descend le plus, nous pensons que c'est un peu plus, et c'est dans le plus, avec le sentiment de toute l'Église. Nous l'associons, c'est de la gloire de famille, du pain du passé. Et du coup, c'est un régulier du premier de son pays, que fait, j'ai fait, et il indique, de l'histoire, de ceux, de l'importance de délégation qui me compagne, délégation de la bonne position, et non, de la clé à tout considérer. Du parti à la justice du peuple et le grand parti perdu dans le monde. Quand vous voulez vous inquiéter, la disparition du grand de Montserrat est une véritable place de tous les cas de presse. S'agissant du patriarche politique effectif de l'Ouest et en minute successive, l'Union européenne. Dans les années 60, l'Union nationale canadienne est née en 66, avant de contribuer, comme je viens de le révéler, à la réunion du Père de Pessin à Manigan en 1986. Il nous reste aussi, il faut le dire, le témoin incontesté et incontestable de l'histoire. Et si tu es pas là, de ce nom, comme ça, il y a une situation de notre pays, de ta vie. Pour nous, c'est pas. Il faut bien difficile de nous résoudre à évoquer le décès par passé et à nous contenter désormais du souvenir aussi intensif de notre long cheminement commun. Tant au sein de l'agriculture que dans la marche de la société canadienne, dans le sillon du président national, président de la République, son excellence propre. En effet, il doit demander à cet acte de ses personnalités de l'empire sans lui de renouveau de son mari. À l'ascension du pays en Pologne, à la manufacture souterraine. Ainsi, au lendemain du 10 novembre 1950, lorsque le ministre de la Guerre et de l'Espagne s'unit pour remettre en fait le programme de la République de l'Espagne après la possession de pouvoir constitutionnel. Sin parlar para mí de calor, a
avez la liberté de penser et le pouvoir de dire. Et sans pouvoir, parfois, en physique, ne faites jamais un effort que d'inviter par le coup de l'immobilier. C'était un grand patriote qui voulait un grand amour pour son pays et attacher le plus grand prix à sa liberté, à sa fiabilité, à l'équipe et à son développement. Si la culture était sa passion et sa paix, c'est notre façon. Et de ce moment-là, la liberté change. Nous savons qu'on est plus familier de nous avec les techniques que nous mélangeons dans ce qui est à la fois et que la culture comporte mieux privilégié de passer la question de différence, de formation à la présence et pour rester utile. En l'expérience, tout ce monde en a pour créer l'harmonie et la configuration du cœur entre les sociétés magnifiques et les gens, entre les sociétés de grandeur, les sociétés de l'ordre et les sociétés de l'ordre. Il ne faudra pas oublier tous les soutiens qui apportent à la sécurité du Sénat dans ce domaine. En l'incitant, j'ai respecté la valeur de l'autorité traditionnelle, mais ce ne serait pas en tant que catégorie d'appartenance, mais en l'indication de la pratique de la culture et la tradition dans le département de l'État. C'est la main de femme, avec d'ailleurs ce bien, et bien vu dans mon esprit, que l'autorité traditionnelle dans l'influence c'est un des points de nos frontières. Par le tribunal, c'est un livre interminable pour pousser la paix sur l'ensemble du territoire national, de pièce à pièce, de maintenir un combat, de maintenir le tout doux, accueillir un élément, appelant à la responsabilité des autorités d'être. Et nous partons à privilégier le parcours du plan de France pour le climat, mais vraiment d'exclusion et de division. Quelle est la réflexion qu'il y a dans la promotion de la protection des minorités, aussi bien que du renforcement de l'intégration sociale, ou plus vite, de vivre la personne, surtout dans le citoyen, au reste du monde. Lors du grand dialogue de la culture a tenté le pouvoir du palais du Congrès, à la rencontre de tous, sa application pour appeler la nécessité nationale d'exercer le mot de référence dans la région du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'extérieur. À cet égard, il avait établi la promotion de la culture du côté de l'homme, déjà manifestée par le patrimoine de l'humanité dans certains de ses écoles, grâce à son éducation de l'État, parmi les principaux théoriques de son action de cette partie de chacun. La profondeur et la fluidité de notre vie. De même à part, nous permet d'être que nous souhaitons tout de même bon bonjour. Nous laissons le grand projet de réaliser l'unité du peuple de l'homme et que nous ne comprenons pas qu'il s'agira de l'établissement de la compétition politique quand on met cette unité forgée par la main depuis des millénaires et assumée par la communauté de ce siècle. Du siècle passé, par les bénéficiaires de l'histoire qui n'ont jamais vraiment été présents pour l'éternité. Notre vœu
Non so, effettivamente, un po' la sala avrebbe sicuramente il discorso di certo l'abilitazione di permettere a Stefano di andare per sé, non so che cosa ne fa di permettere a Stefano, visto che non esiste la gente che è un discorso che per noi ha realizzato la tutta e la grandeur, chiamiamo l'implicazione di Stefano. Supera di Panon, o se il discorso è stato fatto politico e pubblico di Panon, che ha preso effettivamente il primo mando di Panon, mando di Bureau politico, e si è pensato a un popolo che aveva avuto un altro, e si è potuto che esiste anche la pena, la strada, l'ideologia politica, e Panon lo vede, e un po' effettivamente. E qui, all'assemblea dei nostri spettatori su una media in televisione, come spettatori ici, comme sur la terre du public, dans le programme administratif, rendu public par le préfet du département du monde, l'absence de Mme Taïmane Ndamukwueza, maire de Soudan, n'est pas visible, mais n'a même pas été aperçue dans le couloir de la police de ce côté du village. De la place du village de Mouin, si je peut-être, ma femme, un rapport avec cette odeur que vous avez évoquée du Saint-Vivant, du temps de Adamon Dacor, Adamon Dandéa, personnel, qui est parti à un an de cela seulement, à ce moment-là, le peuple d'Amon, avec la disparition de leur sultan, de leur roi, trouvera la face au pouvoir, effectivement, finalement, une. Pas besoin de revenir là-dessus, je pense que nous devons progresser dans le menu de notre programme. Et ma chère, je veux dire que maintenant c'est le Sénat qui a pris la parole, et c'est le chef Papetando qui parle ici en lieu et place du président du Sénat, ma chère Niak Gifendi, qui lui également n'est pas parfait en tant que sa femme tout ce qu'il y a pendant les 60 physiques. Thank you.
Le Saint-Esprit doit être seul qui a goûté. Prime Minister, Head Government, Personal Representative of President of the Republic, your family members, the Ibrahim Bumbojoa family, Governor of the West region, distinguished countries in your respective positions and ranks, as having properly itemized and recorded many times, so if I don't pronounce her, please don't think you are not recognized. Ladies and gentlemen, it is with a great emotion and sadness that we learned on September 27, 2021, at the death of our colleague, Senator Ibrahim Bumbojoa, Sultan and King of the Finland, the balance of time. On the other side, we must learn that recently, the president of the Senate, and on the other hand, the senators, I am here to pay a solemn and deserved tribute to an esteemed member of parliament, is a part. The humanist, perfect servant of the Republic, and a Ghanaian people. As an emblematic figure of the West, his native region, Senator Ibrahim Bumbojoa held high and respected and political positions, serving in throne at the 19th term of the Italian dynasty, another step, 1982. He held several ministerial departments, including the general administration, information and culture, among others. He also served as Honorary Ambassador to the Equatorial Guinea Regions. At the political level, the Ibrahim Bumbojoa has affairs since the creation of our party, CPDM, in 1985, has been an influential member of the Central Committee and Commissioner Bureau of our party. Head of the permanent division of the CPDM Central Committee, for the Western region, he is one of the first senators in the history of Canada. These multiple portfolios have made him a leading figure in the history of our country, through which he has passed, embodied, and assumed various events as well as its significant achievements. Distinguished guests, Mr. Prime Minister, personal representative of the Republic, ladies and gentlemen. Senator Ibrahim Bumbojoa passed away during his second mandate in Parliament and the Senate. Very adverse years, he spent many days in the House time to take part in the work of the Qatar House. When he was a member of the General Committee, namely Committee on National Defense and Committee on Resolutions and Petitions. This is no why he was a Pakistani administration, because of his socialists. Please from our colleagues, members of these two bodies and their committees, I address my sincere condolences because of missed the capacity of what advice and the capacity of what we must have any plans. We missed the initial missing key in that of those committees. You are listening to and respecting all his colleagues. You have held in such high esteem that his death provoked a veritable wave of shock, and the victims are yet to settle down. We are still suffering from the strike. As a figure for us, he spent 9 months effort,
Mankind on every part, and the delegations of the upper house, where he was a member of these two committees of the Senate. To his former colleagues and members of this European Senate, I do extend my sincere confidence. We all, senators and administrators part of the Senate, we remember His Majesty, the King, Libra, and Bumbum Joya, for his towering and imposing structure, body language, and majestic steps when he moved towards me. As a sound and traditional, moral and political leader of our country, Senator, the Grand Bumbum Joya was also an indefatigable custodian of culture. He saw into the building of the museum the Bannon Games and worked hard for international recognition, which was seen somebody representing us. Recognition of the Indian and cultural festival of the Bannon people. Thus, Bandai Green can we submit to the fire to UNESCO? So being first in the religious club and the representative list of intangible cultural heritage of humanity. This candidacy shall be studied next December as well as planned. Certainly, he was an enlightened sultan that the Bannon people are mourning today. It is an adorable and respectable traditional ruler that the new division is mourning today. The prominent elite, an extraordinary politician that the West region is mourning today. And the masters and great sons that Cameroon is mourning today. He is a man. He was a man that was noted and recognized. So it's outspoken nature that we are mourning today. But it is also a son, husband, father that is we are mourning today. Ladies and gentlemen, as a man of the dialogue, Senator Abraham Bumbum Joya, King of the Bannon people, leave with us a legacy. This strong belief in the future of our Cameroon, the visibility of our country, the duty and loyalty and truth, as well as the strong attachment to the peace and unity of our country, which is particularly symbolized by the town of Fuba, the land which after witnessing his death and growth, welcomes him today for his last journey. To the Bannon people, who are mourning the son of the king, to his children, to his entire family, and to all those who shared his commitment, as well as his stories and tales, I would like to underline here how much we see it. Share your soul at the moment of meditation. To you all, let's send heartfelt condolences from the President of the Senate, as well as the deepest sympathy of this man. A dear, dear brother died of humanity. Thank you.
Vous avez tout à fait raison, Joy, et surtout pour le défunt sénateur Ibrahim Bongondo, le roi de Bamoun, au moment où on était en train de l'introniser au roi de Bamoun, laisser tomber cette casquette que vient de tout gouvernement, et à ce moment, il était encore ministre de l'administration territoriale. Voilà, il a donc choisi comme ça de s'occuper de son peuple. Maintenant, nous allons écouter le chef du gouvernement, qui porte cette invité, qui prend la parole ici. C'est là, le roi de Bamoun, si vous voulez, le chef du gouvernement de la région de l'Ouest, de Bessin. Mesdames et messieurs, j'ai appris avec plaisir et sens le dossier du sénateur Ibrahim. Vous répétez le message du groupe présidentiel qui est rendu ici par le gouverneur Kawa Ponta Augustine, qui est devenu la région de l'Ouest. Pour sa longue et riche expérience de facteur public. En outre, le sultan de Bongéa était un passionné de sport et très attaché à sa culture. Il aura notamment été l'artisan de la relance du célèbre festival Lingon. Par ailleurs, il siégeait au bureau politique de l'Assemblement démocratique du peuple camerounais. Pour le qualifier militant fidèle et loyal. Avec la disparition d'Ibrahim Bongondo, le département de Moun perd un chef prestigieux. La région de l'Ouest, qui ne lui détenait pas, le RDPC, un grand militant, et le Cameroun, un digne et valeureux fils. Mes épouses et moi-même, tenant à vous adresser en cette affligeante circonstance, notre sentiment de compassion et nos sincères condoléances. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, les affluents de ma parfaite considération. L'Inde, le 29 septembre 2021, signé Paul Bia. La lecture du message de condoléances du chef de l'État, parce que vous êtes venu avec le protocole. Le programme a connu beaucoup de modifications. Le programme a connu beaucoup de modifications. Au départ, il n'était pas question
de tous ces artistes, ce sont même discours de tous la liste de toute cette longue liste des prises de parole là-dessus. C'est pour ça que pendant que nous suivons le programme, nous, téléspectateurs, vont devoir nous excuser parce que pendant que nous annonçons le programme, il y a des modifications qui ont été faites, c'est ce qui a été derrière le plateau de l'homme, parce que là, ce n'est pas prévu. Et qui aujourd'hui est fait
même à titre posthume, un cordon qui mérite camerounais au nom du président de la République, avec ce qui nous sommes accomplis du temps. Et le cordonnement accompli, on a de ces distinctions honorifiques, et c'est elle qui est la plus honorée que le premier ministre vient de servir, comme Ibrahim Mbonjoua. Le visage, c'est la mobilisation pour faciliter les gens de l'intérieur du pays qui sont présents ici à l'effet d'apporter une petite contribution à ce grand moment de l'histoire du Cameroun qui s'écrit avec les affaires professionnelles et les chambres. Pour les gens qui sont en place, on peut dire le premier ministre chef du gouvernement, représente la personne qui se fait le président. Et même, nous sommes le premier ministre chef du gouvernement, déjà été appelé collègue de l'honneur, qui prendra le premier ministre jusqu'à la tribune pour faire un discours personnel du chef de l'État, son excellence Paul Biya. J'ai rappelé à notre spectateur effectivement que pour vous qui parlez de l'intérieur du pays, les finances qui vous parviennent en temps réel dans cette grande couverture médiatique qui marque à notre temps de l'histoire de notre pays, parce qu'on rappellera ici, parce que c'est celui que nous célébrons aujourd'hui, André Messamard, dans l'histoire du Cameroun depuis 19 ans, en 1948, il a commencé à travailler aux côtés de la représentation française au Cameroun. Et on peut se poursuivre jusqu'au plus haut de l'État, dans ce temps véritable autonomie de l'État, au-delà de sa grande imprégnation dans les sectes, la culture et dans la vie sociale, et pendant bien ces rapports. Son apport et son important dans le milieu du sport, dans le milieu de la culture, dans le milieu social et même dans le milieu religieux, témoigne de cette forte mobilisation et même de ce grand niveau d'apparat que nous vivons ici. C'est un moment exceptionnel, c'est un moment spécial, c'est un moment où en réalité on devrait vivre cela en temps réel. Nous devons effectivement continuer de dire merci au management et vous, à vous, les téléspectateurs de MyMedia Prime Télévision, parce que je me rappelle à l'antenne ici, ceux qui sont au fond de ce film-là, c'est des jeunes techniciens hautement qualifiés dans chaque secteur différent. C'est la preuve de ce que vous avez avec vous à la maison en termes de qualité d'image et même de son. Ce sont des jeunes, un jeu de moins de 30 ans, qui nous accompagnent de plusieurs dans le cadre de cette grande production audiovisuelle, où nous accompagnons officiellement le secteur de Banon Mbombo Njoa, ce qui vaut le coup de l'histoire de notre pays, en disant effectivement. Rappelez sa garde, joignez en place de la initiale. Thank you.
Thank you.
anticipated speech, and that was the speech of Prime Minister head of government, Dr. Joseph Timbuti. He finally didn't come. The program was modified till the viewers. We are still at the Angon village where the funeral ceremony of the late Sultan of Bamu has taken place, and the personalities are leaving. Personalities are leaving, and we are having the crowd of over 2 million people who turn out here at the Ngon Festival Village to pay their last respect. Equally in attendance was the Prime Minister, and was the Chairman of the Social Democratic Front Party, Ni John Frundi, the Lamidu of Re Buba in the north region of the country was equally part of the event, like we did. So, Chris Toby is with me.